La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et Edelweiss présentent Marque Page. Bonjour et bienvenue dans Marque Page pour Isabelle d'Antonio Tabucchi. C'est le livre dont nous allons vous parler aujourd'hui en compagnie d'Antoinette de Perrault, de Payot Libraire. Bonjour Antoinette. Bonjour Zelda. La première question qui me vient à l'esprit est: qui est Isabelle? Alors Isabelle, c'est une grande et mystérieuse dame. C'est une personne qui a traversé beaucoup de romans de Tabucchi, mais en étant plutôt en arrière-fond. Et ce livre, Tabucchi l'a écrit en 96, je crois que c'est le dernier livre qu'il a écrit. Et il a demandé à ce qu'il ne soit pas publié de son vivant. Donc ce livre a été publié posthume. Et il y a un personnage, Thaddeus, qui fait une enquête, qui recherche Isabelle. Et Tabucchi présente cela comme un mandala, c'est-à-dire qu'il va faire, il va interroger toutes sortes de personnes qui ont traversé les romans de Tabucchi pour découvrir ce qu'il est advenu de cette Isabelle. C'est un roman très poétique, magnifique. Et pour ma part, je n'avais jamais lu Tabucchi. Et à lire ce roman, ça donne... En fait, on peut commencer par ce livre et ne lire que celui-là, mais on sera très tenté de lire tout Tabucchi. Qu'est-ce qui caractérise justement ce style Tabucchi? La question est difficile parce que je pense qu'il a différents styles selon ses romans. Enfin, c'est vraiment un auteur très particulier. Après ça, j'ai lu Pereira Pretan, dont je ne vais pas vous parler, mais c'est un peu pour vous donner un goût. Tous les chapitres commencent par Pereira Pretan, ce qui donne un rythme. Mmh. Et là, il y a un rythme très poétique, et vraiment un livre de fin de vie, mais magnifique. Et je dois vous avouer que pour moi, c'est un peu difficile de vous le présenter, parce que je trouve que c'est une grande responsabilité face à un auteur vraiment très très beau. Mais en tout cas, on sent Antoinette qui vous a touché ce livre, on sent même l'émotion quand vous en parlez. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. En tout cas, si vous aussi, vous voulez découvrir le mystère et la poésie de Tabucchi, vous pouvez retrouver ce livre chez votre libraire. Marque Page, c'est terminé, mais on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures littéraires. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et Edelweiss présentent Marque Page.